Bienvenue à toutes et à tous aux rencontres de la boutique. Je vois plein de nouveaux visages, donc ça me fait plaisir de voir que l'information passe et puis et voilà, des gens peut-être qui nous découvrent. Alors, on est une boutique de DVD qui existe depuis 15 ans maintenant. Et on est également éditeur de DVD, Potemkin est éditeur de DVD, mais ici c'est le pôle boutique. Et depuis une dizaine d'années, on organise des rencontres avec des réalisateurs, des dédicaces, des rencontres qui sont suivies de dédicaces. Donc l'idée, c'est d'avoir un invité, de lui laisser la parole, de lui faire parler de son film, de sa cinéphilie, et puis aussi de répondre à vos questions si vous en avez. Alors c'est parfois un film que vous avez vu ou parfois pas. On va passer un tout court extrait du film, pas le film en entier, hein, donc vous ne venez pas, une projection, parfois on me demande, mais voilà. Et puis après, donc on dédicace le DVD, il y a un petit pot qui est offert et tout ça. Donc voilà. Donc ce soir, on est très heureux d'avoir Jean-Gabriel Perriot, qu'on a reçu régulièrement à plusieurs reprises parce qu'on a édité les DVD de ses films. Ce soir, on va parler de Retour à Reims, Fragment, donc film qui est sorti en salle, que vous avez peut-être vu tous, toutes, pas tous, d'accord, donc c'est intéressant, donc voilà, qui est tiré de l'ouvrage de Didier Ribon, Retour à Reims. Donc on va parler de tout ça, mais sinon il y a les films précédents de Jean-Gabriel, le précédent qui était Nos Défaites qu'on avait, c'est JHR qui avait édité ce DVD, et donc c'est, merci JHR, Jour de Fête aussi qui a édité Retour à Reims, et les courts-métrages de Jean-Gabriel, donc ça c'est assez précieux parce que ça permet d'avoir un aperçu aussi de tout ton travail. Juste à gros traits, pour te resituer, tu es quelqu'un qui est venu sur le cinéma assez tard, on peut dire ça comme ça, non? Alors non, chaque fois je me trompe dans ta présentation, c'est incroyable, mais qui a commencé par le montage, voilà, par une formation de monteur, et qui assez rapidement a apprécié la fréquentation des archives, des images d'archives. Donc là c'est important dans ce qu'on va voir et dans le film dont on va parler, parce que Retour à Reims, dans Retour à Reims il y a tout un travail à ce niveau-là, au niveau des images d'archives. Alors, je commence toujours par une première question qui est une première image de cinéma. Mais vu que tu es venu assez souvent, alors on va essayer de procéder de manière inverse, c'est-à-dire quel est plutôt le dernier film qui, cette année ou récemment, t'a plu ou t'a marqué ou t'a inspiré? Le dernier film peut-être de cette année, Jean-Gabriel. Alors, tac. Allô. Oui, bonsoir. Peut-être je peux te répondre sur par deux films. Le dernier film qui m'a plu, c'est Sandan, qui est sorti là en août, qui m'a beaucoup plu parce que j'ai vu tout ce qui est sorti là cet été, ce que je fais rarement, mais j'habite à Nice, donc le choix est limité, donc j'ai vu beaucoup, beaucoup de mauvais films d'été. Et d'un coup, il y avait ce film qui était Sandan. Il est mexicain, le réalisateur, j'ai oublié, avec Charlotte Gainsbourg. Ah, Gainsbourg et Tim Roth, ok, d'accord, ok. Qui fait du bien parce qu'on ne sait pas où on va, donc ça m'a fait plaisir en tant que spectateur. Le dernier film qui m'a vraiment marqué, par contre, que je trouve fort, j'ai évidemment oublié le nom, dont on parlait tout à l'heure, sur l'hôpital, De Castin Taylor, Castin Taylor et Verena, et le titre du film, le titre du film, je ne me rappelle plus parce qu'il n'est pas encore sorti en salle, c'est vrai qu'on l'a vu à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, ouais. Mais assez, fascinant. Un film, quand il va sortir, allez le voir. Ça fait mal aux yeux. Ça fait très très mal aux yeux parce qu'il filme un hôpital à Paris, donc on voit l'extérieur, c'est-à-dire comment tout est organisé, etc. Mais aussi l'intérieur des opérations avec les caméras médicales. Et c'est terrible. Le film est terrible. Et ça, c'est pour moi un grand film de. Parce que ça offre un regard inhabituel sur une réalité, quoi. On ne sait jamais où on va quand on voit ce type de film, et ça fait du bien. C'est très perturbant, mais ça me fait du bien, vraiment. Et quand on échangeait là dehors, tu me disais que tu avais passé un été assez studieux à travailler. Alors qu'est-ce que c'est où est-ce que tu en es maintenant et dans ton travail, dans ton cinéma? Sur quoi est-ce que tu travailles, si tu as envie d'en parler? Et quel est le quotidien d'un réalisateur de cinéma? Alors là, je suis en fin de montage du prochain film, du prochain long.
Pour aller vite, c'est un film en deux parties qui commence avec des archives assez... Bon, on sait qu'on est à Sarajevo en 92, c'est à peu près la seule information qu'on ait, et les archives sont très étonnantes, très, très étranges. Et dans la deuxième partie du film qui est plus longue, c'est des interviews que j'ai menées avec les réalisateurs de ces films-là, qui à l'époque avaient autour d'une vingtaine d'années, donc entre 16 et 24 ans, qui pour la plupart d'entre eux étaient au front, soit comme soldat, soit comme filmeur, et qui raconte ces images-là. Donc c'est des images plutôt pauvres, hein, des images filmées en DV, enfin même pas à l'époque, en petite VHS et tout ça. Des films amateurs, mais qui sont... voilà, et ça, c'est un film autour de... Pourquoi on filme ? Est-ce que c'est un film politique ? C'était la question que je... Non, pas forcément. Non, sauf si on parle de politique des images, mais j'y crois moyennement... C'est un film sur les images, c'est pas un film sur comment elles font histoire ou pas. Ce que j'ai pas précisé, c'est que dans ton intérêt pour les images et pour les archives, c'est il y a ben, moi je t'ai connu comme beaucoup de spectateurs, t'ont connu par ton film Une jeunesse allemande, qui dans lequel tu retrouvais des images de la fraction armée rouge, la bande Abadair, et tu nous redonnais à voir un peu toute cette histoire-là assez tragique et assez incroyable de l'extrême gauche allemande. Ton intérêt pour les archives, c'est aussi c'est pas n'importe quelle archive, c'est des archives quand même de politique, je sais pas, mais qui ont trait à des événements historiques et politiques dans la plupart des cas. Deuxième partie de question, comment est-ce qu'est venu ce projet-là de Retour à Reims, et comment est-ce que tu as découvert l'ouvrage de Didier Ribon ? D'accord. Ta première partie n'était pas vraiment une question, mais c'est vrai que j'oscille en fait sur pourquoi je fais un film, pourquoi j'ai cherché des images. Souvent ça passe quand même. Pas tous les films, mais souvent par des questionnements sur l'image et pourquoi elle marque ou pas l'histoire. Comment ça agit ? Pourquoi il y a des images qui n'ont abouti à rien ? Et pourquoi il y a des images qui sont écrites et qui gagnent et dont on se rappelle, qui sont marquantes, et souvent les images des vainqueurs. Il n'y a pas d'image des vaincus, et donc beaucoup de films passent par là, passent par chercher ces images pas manquantes, parce qu'on les trouve, mais il faut aller les chercher, et c'est une chose que j'interroge souvent. Et des fois ça touche la politique par ce biais-là. Il y a d'autres films qui sont plus ouvertement politiques parce que c'est la question de départ. Et non plus tant une question sur les images elles-mêmes, ce qui est plutôt le cas de Retour à Reims. Et pour Retour à Reims, en fait, ce qui se passe, moi, je l'avais lu presque à la sortie, enfin un petit peu après la sortie, il y a longtemps. Comment ça avait fait écho en toi déjà, ce livre ? Tu l'avais aimé, adoré, ça avait été un jalon ? Je pense que quand on est un PD parisien cultureux, on s'y retrouve. Et qu'on vient des classes populaires. Enfin, je partage beaucoup à une génération près d'âge la vie de Didier. Forcément, je m'y retrouvais très représenté. Et c'est ce qui m'avait marqué, moi, évidemment, parce qu'il y avait une force d'empathie. Je voyais très bien ce qu'il voulait raconter. Et ce qui se passe, c'est que des années plus tard, je reçois un coup de téléphone de Marie-Ange Luciani, une productrice, qui me dit j'aimerais faire une adaptation de Retour à Reims pour le cinéma, plutôt avec de l'image d'archives. Du coup, j'ai pensé à vous. Bon. Oui, mais en fait, il y a quand même beaucoup de producteurs, dès qu'ils ont une idée avec de l'image d'archives, ils m'appellent. D'accord. Je ne suis pas le seul, mais on n'est pas nombreux à travailler l'archive. Donc, et souvent, je dis non parce que j'ai mes propres films en cours. Et parce que, mais là, avant que je la rencontre, alors que j'allais dire non, j'ai relu. C'était l'occasion de lire Retour à Reims. C'était juste en plus après nos défaites, qui posaient des questions de classe et tout ça. Et en le relisant, la partie politique du livre que j'avais totalement oubliée est réapparue. Et c'est surtout les fragments, enfin les passages, le moment où il essaie de comprendre le geste de sa mère de voter Front National. Ce moment-là, quand je l'ai lu, ça m'a fait du bien parce que, en fait, il synthétisait des choses que je connaissais, mais d'un coup, il les cristallise toutes en passant par un personnage réel, celui de sa mère et ses contradictions.
Et quand j'ai lu, ça m'a fait du bien à ce moment-là, d'un coup, de sentir ça. Et je me suis dit, bon, voilà, si moi j'ai un film à proposer, ça sera celui-là. Donc un film très clairement politique, dont c'est le sujet premier. Et ce qu'a accepté la productrice tout de suite, et Didier aussi. Et du coup, voilà, le film est parti à partir de ça. Mais est-ce que tout le monde a lu Retour à Reims, soit vu pour résumer en deux mots, Didier Ribon est un philosophe et sociologue. Et Retour à Reims, c'est l'occasion de faire un retour dans la ville dans laquelle il est né. C'est au moment où son père est mourant, je crois. Et c'est un moment de faire le point avec sa famille, son père, sa mère, ses grands-parents. Et avec son regard de sociologue, il étudie, il fait un retour sur les origines sociales de ses parents, de quelle classe sociale. Et donc, en parlant de son histoire personnelle, il élargit en parlant de l'histoire un peu plus large, des classes ouvrières, des classes laborieuses, au sortir de la guerre, pendant les années 60. Et l'arc que va prendre, le fil narratif que va prendre Jean Gabriel, c'est de montrer pourquoi ces classes votaient en clair PC pendant les années 60, et pourquoi elle vote Front National, Rassemblement National dans les années 80-90. Et qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et donc, voilà. Ben, c'est vraiment l'axe que tu choisis de prendre, parce que moi, j'ai relu l'ouvrage, et c'est vrai que l'ouvrage part sur son père, sur l'histoire de son père. Il parle énormément de son homosexualité et de la façon dont tout ça a été très douloureux pour lui, comment à Paris, ça a été une ouverture au monde, au monde intellectuel et aux études, et comment il s'est retrouvé. Mais tout ça, donc toi, dans cette lecture, tu fais un tri. Oui, mais de toute façon, ça c'est le truc de départ. Un livre comme ça, il est pas si long, hein, Retour à Reims. Mais si on commence à considérer la période historique qui est traitée, c'est-à-dire quasiment 100 ans d'histoire ou 80 ans d'histoire française, le nombre de personnages, c'est-à-dire lui en premier, ses parents, ses grands-parents, son frère. Oui, c'est la première personne. C'est la première personne. Et le nombre de sujets abordés. Et tout ça se croise en permanence, ce qui fait une qualité littéraire très... Une des explications du succès du livre, c'est que c'est aussi un objet littéraire, en plus d'être un objet sociologique. Et ça, tout de suite, j'avais deux choix, dont un dont j'étais sûr que je ne le ferais jamais, c'est essayer de condenser ça. Parce que dans ce cas-là, condenser ces 200 pages en une heure et demie, ça faisait de la gelée, quoi. Ça faisait un petit bout d'habitat social dans les années 60, l'homosexualité dans les années 90, l'école dans les années 20, enfin, ça faisait à peu près rien. Et pour donner un ordre d'idée, il reste 15 pages seulement du texte dans le film. C'est-à-dire que c'est moins de 10% qu'on peut garder d'un texte. Donc ça veut dire que si j'avais commencé à garder 10% de chacun des sujets... Ça survolait l'ensemble. Donc je savais que c'était pas que en tout cas moi j'étais incapable de faire ça. Donc il fallait trouver un axe, et l'axe qui allait définir qu'est-ce que je choisis. Mais même pour moi, parce que évidemment sur 200 pages il y a des moments où je suis un peu en désaccord, où c'est son expérience et ça se négocie pas, c'est pas la mienne. Bon, forcément j'aurais pas adapté des endroits où nos vies sont différentes, mais le fait que j'avais un point d'entrée qui était celui du vote de sa mère, ça déjà, on voit dans le film, hein, ça fait 40 minutes, ça fait 4 pages dans le livre, mais ça fait 40 minutes voilà, à l'image, et que le temps qui me restait, c'était présenter cette femme, d'où elle venait, qui c'était, et ça, ça fait déjà une heure et demie. Et encore, moi je me suis fait violence d'enlever des choses qui étaient pour moi, même à l'intérieur de ce choix-là, d'enlever encore des choses, quoi. Et voilà, ça c'est la première réponse. La deuxième, ça m'arrangeait bien en même temps, même si c'est une conséquence qui fait que moi je travaille pas l'intime dans mon cinéma, le mien. Et que par exemple, si Didier, en tant que personnage, avait été là, j'aurais eu beaucoup de mal à prendre sa voix. C'est un film à la première personne, parce que c'est un texte à la première personne que moi, en tant que réalisateur, du coup, j'assumais. Et ça, c'est un mouvement qui, pour le coup, autant Didier et certains ont la force de faire des films à la première personne, des livres à la première personne, autant moi, il est hors de question que j'aille chercher des choses qui relèvent de ma vie privée et non plus celle de ma famille. Et pour toi, ça a été nouveau, ça a été un pas... cette narration à la première personne, pour toi, c'était une expérimentation, un pas nouveau ou quelque chose... Non, justement, le film n'est pas à la première personne. Enfin, il y a un jeu, mais c'est le jeu d'un enfant qui parle de ses parents. D'accord. C'est un jeu rétroactif et c'est pas un jeu personnel. Et ce jeu, il est, tu choisis aussi Adèle Haenel pour dire ce texte-là. Ça, c'est venu très en amont ou c'est plutôt sur... C'est venu dès le départ. Et c'est pas mon idée. Et elle était vraiment très, très bien. C'est Marie-Ange, la première fois qu'on se voit.
Du coup, je raconte ça. Quel film ça va être? C'est un film sur le personnage de la mère. Et je dis, parce qu'une des conséquences aussi heureuses pour moi, c'était que ça permettait de rentrer une histoire des femmes de la classe ouvrière, au-delà d'une histoire de la classe ouvrière. Ce qui me touchait, moi je viens d'une famille de femmes. J'ai un oncle pour 7 tantes, et tout est comme ça, j'ai évidemment plus de grand-mère que de grand-père. Pareil pour mes cousines, plus que des cousins, donc j'ai vécu à un endroit où je vois ce que ça veut dire d'être une femme pauvre, qui galère, tout ce que ça implique. Et du coup, je disais, tu vois, de prendre la mère, on va pouvoir ramener tous les fragments du livre qui parlent de ça, de la sexualité, des enfants, la double journée de travail... Et quand je raconte ça, elle me dit « Ah, mais qu'est-ce que tu penses d'Adèle ?» Je fais « Pardon de... ?» Adèle qui Pourquoi ?» Je fais « Adèle Hanel pour la voix off. » Et j'ai trouvé ça super parce que je ne pense pas que j'aurais fait moi le pas de côté de désaxer la voix de l'auteur. La voix supposée de Didier Ribon, on va dire. Et en fait, d'un coup, de mettre une jeune femme, je trouvais ça, je trouvais ça très juste. Enfin, ouais, c'est une idée que j'ai trouvée très très juste. Mais et cette lignée de femmes, tu l'as fait remonter à, c'est dans l'ouvrage d'ailleurs, la grand-mère de Didier Héribon, qui était une femme tondue, se pose la question, et puis de sa mère évidemment, et se pose évidemment la question de la forme, et se pose évidemment la question de l'archive et des recherches, et du matériau. Donc là, je trouve que la beauté et la pas la prouesse, mais la difficulté du film, c'est quand même de trouver ces images que tu as trouvées. Parle-nous peut-être de ça, de cette recherche-là qui n'a pas dû être rien, quoi. Quand on travaille l'archive, on travaille forcément les questions de la représentation. Même si ce n'est pas le sujet du film, même si tout ça est invisible pour le spectateur. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi caricatural. Par exemple, si on prend un sujet, si on prend l'histoire des femmes de la classe ouvrière, qui est quand même un des fils rouges du film, allez trouver un film sur l'avortement, vous, avant les années 80. Ça n'existe pas. Un film sur la double journée des femmes, ça commence dans les années 70. Les films sur l'avortement commencent aussi dans les années 70 avec les groupes militants féministes qui commencent à faire des films, etc. Mais avant... Les femmes, elles n'existent pas, en fait. Elles existent comme support de l'homme, ou alors on va les montrer dans des situations, mais jamais de l'ordre de l'intime, de la... Il n'y avait rien, ou tellement peu, quoi. Tellement peu. Il y a plein de sujets dans le film où je me suis rendu compte que ça n'existait pas. Et ça n'existe pas à la télévision, ça n'existe pas au cinéma, ou alors sous des formes tellement caricaturales, où ça ne va pas. Mais on a... Il y a des... Par exemple, le sujet qui m'a le plus surpris, c'est les femmes de ménage. Alors, quand on vient d'une famille populaire, on a tous eu des mères, des tantes qui ont fait les ménages, sous une forme ou une autre. Il n'y en a pas. La seule chose qui existe, c'est la soubrette. Dans le film de comédie bourgeoise, la soubrette qu'on tringle un peu discrètement ou qui va partir avec le fils de famille parce que, en fait, c'est une bourgeoise et qui s'est planquée un moment. Mais il n'y a pas de femme de ménage. J'ai trouvé un film à l'INA sur les femmes de ménage et un film sur les écoles ménagères. Mais là, tu en trouves une qui fait le ménage dans le bureau du patron. Oui, justement, j'ai été obligé d'utiliser une de ces comédies. Oui. Là, c'est un film de Pabst, une espèce de... Non, mais celle qui déplace les... qui fait le ménage. Ah, voilà, mais ça, tout vient d'un seul film, qui s'appelle Les Matinales. Okay. C'est le seul qui existe. Évidemment, j'ai pas tout vu, mais on a répertorié, par exemple, toutes les sorties de films français, des années 30 jusqu'aux années 70... D'accord. Film par film, pour essayer, en lisant tous les résumés des films français sortis, pour essayer de trouver des endroits où il y a des femmes de ménage, et dès qu'il y en avait, c'était des soubrettes. D'accord, ok. Donc, évidemment, la télévision française avec l'INA, c'est très vite référencé, donc on voit tout de suite ce qui manque. Et il y a plein de choses comme ça dans l'histoire des représentations qui sont criantes et qui étaient, dont je ne m'attendais pas à ce point-là, que ça allait... Comme l'autre chose qui était un peu croustillante, c'est qu'il n'y a pas de racistes dans le cinéma français, sauf quand c'est des comédies. Il faut attendre longtemps pour avoir des personnages de français racistes. C'est-à-dire, d'accord, quand on veut parler du racisme, on passe par les victimes, les gens qui souffrent de racisme. D'accord. Mais un français bien blanc qui exprimerait, qui dirait des saloperies, etc. Oui, non, ça existe très très peu. C'est quand même assez étonnant, surtout à un moment où ça devient criant que oui, c'est structurel dans la société. Ouais. Non, il n'y a pas. Et dans les images de... Parce que j'imagine que tu as, à Cinéarchive, les images de la CGT ou du PC, tu as dû trouver une matière
assez oui. intéressante ou pas, pas tant que ça. Oui, heureusement, mais après, dans les années 60-70, quand le cinéma militant surgit, et par exemple, qu'on sort, c'est intéressant quand le PCF a produit beaucoup, mais on est longtemps dans une grammaire très PCF. Mmh. C'est-à-dire l'ouvrier valeureux qui fait la révolution. Mmh. Donc il y a des choses qui sont hyper intéressantes, mais quand les mouvements un peu plus transversaux, politiques, avant 68 déjà commencent à arriver, là on commence à trouver des choses, même produites par le PCF, où on commence à rentrer dans l'intimité, dans la vie intime, par exemple, des ouvriers qui sont montrés non plus seulement comme des ouvriers, des travailleurs, mais aussi leur galère du quotidien, et parfois quelques portraits de femmes aussi qui commencent à s'insérer à l'intérieur. Non, en l'ayant vu et revu, parce que j'ai projeté un peu ton film, et puis j'en ai aussi entendu des retours, c'était passionnant, mais on voit la densité du film, hein, même si tu as dégraissé ou tu as pris... la première partie est très très dense au niveau information, comme le livre de Héribon hein, d'ailleurs. Hein, mais j'imagine que tu t'es posé quand même des questions de rythme, de choix, parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film, on se mêle des images d'archives et des images de fiction aussi. Donc il y a toute une danse comme ça, tout un agencement qui est quand même assez virtuose avec le texte. Mais comment est-ce que ça se tricote tout ça? Comment tu prends des bouts de texte et tu as ton texte comme ça sur le banc et tu te dis bon là je cale ça. Mais comment est-ce qu'on travaille, comment ça, au niveau presque artisanal quoi? Ben, ça, celui-là, la particularité c'était d'avoir un texte. Écrit, ce que j'ai pas forcément sur tous mes films. Donc le premier travail, c'est d'abord le montage du texte à partir d'un fil rouge, et forcément ça fait trop long déjà, donc le travail du texte pour arriver à un texte qui lu faisait à peu près une heure et demie. Lu comme moi je lis, donc sans prendre le temps, etc., pour avoir légèrement plus. Et à partir de là commencent les premières recherches d'archives qui sont à partir de ce que j'ai moi ou ce qui est facilement accessible pour avoir, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir des endroits, identifier les endroits de difficulté qui sont clairement pour toi rapidement, parce que par exemple si je sais que la mère a travaillé à l'usine dans les années 60, je sais que je vais avoir 40 000 films sur les usines des années 60, ça j'ai pas besoin de chercher, je sais. Les femmes tendues, je sais ce qui existe, j'ai fait un film dessus. Mais je vais regarder par après, quand même par bloc narratif, qu'est-ce qu'il peut y avoir, et ce qui est un peu... déjà, il faut un peu sentir, par exemple, si je prends les femmes de ménage, qui était un sujet pour moi important, parce que pour le coup, c'est un peu personnel, j'ai tout de suite vu qu'on aurait un problème. Donc ça sert à répartir le travail avec la documentaliste, c'est-à-dire où c'est qu'il faut mettre l'énergie. Je visionne tous les films, je veux dire, moi, c'est des je sais pas combien de jours de visionnage, donc aussi, il faut faire attention, ça me servait à rien, par exemple, de regarder des centaines de films d'usine. Oui. Je suis allé sur des auteurs que j'aimais beaucoup qui font des magnifiques films d'usine, et puis on s'arrête là. Et ça permettait, et de voir aussi qu'il y avait des endroits, il fallait mieux se dire que ça allait sauter. Parce que si je pouvais faire une séquence, j'allais du mal à avoir deux séquences sur le sujet parce qu'il allait y avoir un manque d'image. Donc ça, c'est un peu la base de départ. Et après, le jeu, c'est pour moi, un des jeux, c'était d'essayer d'identifier des archives qui me permettaient d'enlever le texte. D'accord. Très clairement, c'est par exemple un moment sur la fin de la deuxième partie du film, on comprend qu'il y a de la violence à la maison, que sa mère se fait battre de temps en temps par son père qui n'est pas là, enfin ce qu'il raconte dans le livre. Et moi, à un moment, je le résous par un film où une femme dit et là, il y a du bruit, le mec il rentre, il tape, et là, il y a les enfants, et je tape. Enfin, il y a un truc exprimé. Et là, j'ai plus besoin de la voix de Didier qui dit il est arrivé que mon père frappe ma mère. Ouais. Voilà, et quand je trouvais des archives comme ça qui racontaient exactement la même chose, c'est ce qui m'a aidé à enlever des fragments littéraires. D'accord. Voilà, jusqu'à des fragments, soit qui expliquaient, donc du coup, ils donnent des informations que je ne peux pas trouver, soit parce que sa manière de le dire n'était pas transposable directement dans quelque chose que je trouvais. S'il y a des questions, que je ne sois pas le seul à poser des questions, commencez à... N'hésitez pas, soyez pas commencez à les formuler, voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Je me demande comment ça se passe au niveau des droits après pour
par rapport aux archives, parce que ça doit être un peu galère, non, j'imagine, non, enfin je sais pas. Oui, c'est galère. Il faut faire tirer des copies pour qu'on puisse les voir, donc il y a déjà un processus, c'est-à-dire qu'il faut que l'ayant droit accepte qu'on fasse une... Donc déjà, dès le début, c'est un peu compliqué. Et après, on est obligé de prendre en compte tout de suite les deux choses qui sont la disponibilité du matériel. C'est-à-dire, si un film est magnifique, mais que la dernière édition, c'est une VHS des années 80, et qu'on ne sait pas où est l'original, ben là, on est battu. Et le prix, évidemment, rentre... Là, par exemple, je savais qu'il allait y avoir de la fiction. C'était évident pour moi que j'allais mélanger la fiction et le documentaire. Je sais très bien que pour une minute de fiction, j'ai 5 minutes de documentaire. Donc la fiction, par exemple, je le sais qu'à chaque fois que je vais la mettre, c'est parce que pour moi, c'est très important. Je dois l'économiser parce que même si je n'ai pas la calculette, si ce n'est pas moi qui fais ce travail-là, je sais que chaque bout, voilà, chaque bout, il va être très très cher. Et après, c'est vrai que moi, je n'en tiens pas beaucoup compte parce que soit je l'ai très intégré, soit... Là, c'est arrivé juste sur un film, un moment où bon, on explosait de partout, on n'avait pas assez d'argent, mais on explosait de partout. Et il y avait un bout d'un film de René Clair que j'aimais beaucoup, mais qui était un peu une virgule. C'est lequel ? Comment il s'appelle, quand le gars est à l'usine, un film qui fait un peu chaplinesque, qui est en cours de restauration, parce que là, il était à l'époque, déjà, il fallait qu'on attende la restauration pour le... c'est très musical. Il n'a pas été réédité ? Il va l'être réédité, puisqu'à l'époque, ils étaient en train de faire la restauration, et nous, on aurait pu, du coup, acheter un petit bout avant. Et ça, par exemple, c'était cher pour faire une virgule. Un petit moment sympathique dans le film qui faisait une petite... Il y avait une chanson sur le travail, c'est la santé, je ne sais pas quoi. Enfin, vraiment une espèce de blague. Mais à ce prix-là, je ne fais pas de blague. Voilà. Ça me permettait d'acheter le reste, en fait. À un moment, c'est un peu une... Quand on arrive au bout du budget, il faut le faire. Et il y a des films qu'on abandonne parce qu'ils ne sont plus disponibles. Alors, indépendamment des droits, Alors, par chance et par malchance, c'est-à-dire que les droits, c'est aussi un faux problème. C'est la vie du jeu qui est impactée par les problèmes de budget, plus que mon travail. C'est-à-dire qu'un film comme ça, très clairement, la différence, par exemple, entre Une jeunesse allemande qui a coûté 4 fois plus cher que celui-là, alors que c'est le même travail, c'est la même durée d'archives, il n'y a pas plus... Bon, si je me suis payé Zabriskie Point dans Une jeunesse allemande, ça avait un petit coup. Hein. Mais sinon, la différence, c'est qu'il y en a un, on a les droits monde pour 20 ans. Tout territoire, tout support. Celui-là, on a les droits pour, je ne sais plus, déjà que pour l'Europe et pas tous les pays. Pour la durée, elle est plus courte. Enfin, voilà, et tout est... C'est-à-dire que le film, il y a un moment, il va disparaître. Une jeunesse allemande, je pense qu'on sera tous vieux. Bon, on sera passé à autre chose, quoi. Ce film-là, je ne sais plus quelle est la durée, mais ça se négocie là-dessus. Donc, l'argent, moi, il est dur dans le fait qu'on sait qu'on fait un film qui a une durée de vie, qui est périmable. À cause des droits. Et ça, je trouve ça dur. En tant que réalisateur, c'est très, très dur. Mais j'ai souvenir... Allez-y. Pardon. Et du coup, comment se passe l'écriture du scénario, en fait, pour le documentaire ? C'est-à-dire que vous avez déjà les idées de film avant d'avoir les droits, pour chercher les financements, en fait, parce que j'imagine qu'avec la productrice, vous cherchez des financements, le CNC, etc. Du coup, comment ça se passe ? Ça veut dire que des fois, il y a des frustrations parce que dans le scénario, vous aviez choisi des extraits de films, et puis après, c'est plus possible parce que c'est pas libre de droit ou... Non, le scénario, je prends pas du tout en compte le réel de ce qui peut exister ou pas. Sauf évidemment, j'indique des évidences, enfin en tout cas moi, mes souvenirs, des films, ou des films... plus contemporain, où j'écris à partir de ce que ma mémoire elle indique, mais je n'écris pas plus, parce que déjà ça demande beaucoup de temps et déjà de l'argent de faire des recherches. C'est-à-dire qu'il faut être en production pour avoir quelqu'un qui fait les recherches. Et chaque commande a un coût, donc ça on ne peut pas le faire à l'étape du scénario. Et parce qu'il y a dans le fond quelque chose qui est impossible à écrire, c'est le montage. C'est-à-dire, si on commence à dire, va y avoir un petit bout de ça, je vais mettre cette séquence-là, ça devient un truc qui est imbitable, qui est illisible, et dont on sait en plus, il y a 40 000 chances que ça soit même pas jamais là au montage, quoi. Parce que ça fonctionne pas comme ça. Donc l'écriture des dossiers, on va dire, surtout là, par exemple, sur l'avantage d'un tel projet, c'est que j'avais le texte de Didier. J'avais le montage de la voix off qu'on entend, légèrement plus long, mais ça structure. Et quelques films un peu phares que je donne en exemple, dont je pense qu'ils pourraient résonner à l'intérieur du montage à venir. Mais là sur celui-là, c'était pas très difficile. En général, ça l'est parce qu'on rend des dossiers un peu abstraits.
On donne un sujet et c'est vrai que le réel de ce que va être le film. Après, je suis jamais très loin, mais par contre, je peux pas donner comme un scénario ou même comme un documentaire. On sait qu'il va y avoir telle personne qui va parler de ça, etc. Là, les archives, elles décident aussi ce qu'on trouve, le budget qu'on a au final. Et le montage, il y a un truc qui fait qu'on ne sait pas pourquoi des fois les images elles fonctionnent ou elles fonctionnent pas. Des fois j'ai des supers idées, je les mets dans le montage, mais c'est affreux. Et un film mineur va prendre un sens fou quand on va prendre un extrait et qu'on le met là. Et ça on le sait une fois que le film est fini. Enfin, en cours de travail et quand le film est fini, donc une fois qu'on est déjà en production. Il y a quelque chose d'assez aussi jubilatoire au niveau des supports et des différents films, et puis la façon dont on traverse un peu l'histoire de la deuxième partie du XXe siècle, c'est les différences de supports. Quand on arrive aux années 80, bon, on parle de... Non, mais la télé, les archives politiques, la télé, Antenne 2, Marchais, Le Pen, et puis on arrive, parce que ton film arrive jusqu'au Gilet jaune, donc on a aussi toute une palette de qu'est-ce que c'est l'histoire, une sorte d'histoire politique comme ça, qui part des années 40, pour arrivé en 2022, ouais. Ça t'en avais conscience, j'imagine. Ça c'est inéluctable. Oui, oui. On fait un film qui a eu cette amplitude-là et qui est quand même... Bon, on revient en arrière un moment, au début de la deuxième partie, on repart un peu en arrière, mais c'est les deux mouvements sont chronologiques. Donc c'est vrai qu'il y a une histoire de la technique qui se dessine. Complètement, oui. Là j'ai quand même triché, donc il y a une chose... Il y a des moments où il y a des moments d'histoire qui sont un peu condensés, voilà. Où ça va vite, quoi. Quand on arrive c'est vrai, aux années 80, d'un coup on voit c'est moche. Ouais. C'est la télé est affreuse, c'est dégueulasse. En plus, les conditions de conservation des images Alina, c'est tellement pathétique qu'ils ont rajouté du bordel à l'horreur de ce que c'était déjà. C'est-à-dire, il y a eu une campagne de numérisation il y a 20 ou 30 ans où ils ont fait dans un format qui était en dessous du SD, c'est-à-dire en dessous de l'original. Et qui a gardé une espèce de compression. Et la plupart des bandes soit ont disparu, soit elles sont collées aujourd'hui. Elles sont plus exploitables. Donc ça rajoute du lait au lait, quoi. Enfin, c'est déjà que c'est pas terrible. Mais où le film triche un peu sur l'histoire des techniques, c'est que, par contre, avant le passage à la vidéo, à la télévision, travaillait en 16 mm, sauf les directs. Mais tout le reste, même les reportages de télévisés, tout ça, étaient faits en 16 mm. Et qu'en France, on a gardé ces 16 mm-là. Donc nous on a fait restaurer les films qui le nécessitaient, et ce qu'on voit dans le film, il y a beaucoup de choses, c'est très très beau, mais en fait personne ne les a jamais vus comme ça, ces films-là. Les gens les ont vus à la télévision en noir et blanc avec les grosses lignes, et ça c'est une chose qu'on ne voit pas du tout, parce que là ils ont la qualité du cinéma techniquement. Donc l'histoire de la télévision intervient dans les années 80, alors que ça aurait été un des sous-sujets du film, parce que si on voulait faire une analyse, c'est qu'en fait, une des plus grandes sources d'un film comme ça, finalement, c'est la télévision française, parce qu'il y avait des émissions qui montraient les conditions de vie des gens. Et pas du champ du cinéma, mais du champ... La télévision était beaucoup plus pluraliste, par exemple, que ce qu'elle est aujourd'hui en termes de contenu. Il y a toutes les grands ensembles, les banlieues, la naissance des banlieues, toutes ces images-là, il y a des interviews, qui sont assez, des entretiens qui sont assez incroyables, je trouve, tant au niveau des images, des choses moi, que je n'avais pas vues. Et ça, tu le trouves dans quel type d'émission? Tu dis, c'est quel... Moi, j'ai beaucoup utilisé, par exemple, une émission qui s'appelait Aujourd'hui les femmes. D'accord. Qui était une fois par semaine, avec des choses très belles, où en fait, c'est un cinéma presque un peu anthropologique, où les équipes vont passer du temps dans des situations avec des femmes précises. Alors évidemment, ça peut être la starlette du moment, bon, des choses comme ça, mais il y a aussi une famille de trois femmes dans le Nord. Quand on voit, à un moment, il y a un extrait avec des jeunes filles qui sont à l'usine de pêche. Film sur les jeunes filles de 16 ans à Boulogne. Et en fait, ils passent beaucoup de temps avec les gens qu'ils interviewent. Et c'est magnifique. Et ça, c'était toutes les semaines. Il y avait aussi une émission... Non, assez avant. Alors, je me confonds, je dois mélanger les deux. Ça, c'était une émission qui était avant Aujourd'hui, Madame. C'est... Il y a Femme dedans. Ah, faudrait que je regarde le générique. un peu oublié. Et il y avait aussi 16 millions de jeunes. C'est pareil, quasiment toutes les semaines, où il y avait des situations très différentes, mais dans le monde entier, mais il y avait quelques films sur la jeunesse française. Et là, on trouve des choses qu'on ne trouve pas même dans le cinéma, documentaire, politique de l'époque. Est-ce qu'on passe un petit extrait peut-être du film que les gens qui... j'avais calé, j'ai pas suivi ton avis, mais il y avait le chapitre qui commence à la chaîne, ça te va, donc chapitre, alors le temps qu'on cale, voilà.
Alors bon, un nom qu'on n'a pas cité dans le film, c'est évidemment celui de Pierre Bourdieu, qui a été quand même quelqu'un d'important dans la vie de Didier Ribon, et toutes les notions de déterminisme social, de transfuge de classe, toutes ces notions-là qui font qu'on est issu d'une classe sociale, et on peut être le mouton noir, on peut décider de faire autre chose, mais disons qu'il y a beaucoup de choses qui nous conditionnent pour y rester et puis pour perpétuer un peu cette identité-là. Et il y a des témoignages qui sont complètement poignants hein, de cette jeune fille qui commence à expliquer pourquoi elle a commencé à travailler et comment elle est contente, comment l'école s'est rasoir et comment elle est très contente de travailler à l'usine à 16 ans. Quoi. C'est des témoignages qui sont assez bouleversants. Et on voit aussi évidemment la casse des corps, la casse de l'ouvrier. Ben là, on va montrer un extrait de l'ouvrier à la chaîne. Alors ça, c'est tiré d'un film... Des groupes Medvedkin. Voilà. Avec le sang des autres. Avec le sang des autres, voilà. Donc ça, tu as beaucoup regardé ce qu'avaient fait les groupes Medvedkin, évidemment. Oui, ça faisait partie des choses de base. Hein. Oui. Ça veut dire que des films filmés par les ouvriers eux-mêmes ou avec des ouvriers à l'intérieur des usines, etc., il y en a très peu. Dans l'histoire en général et en France, c'est pas les seuls, mais les groupes Medvedkin ont fait pour moi un des travaux les plus aboutis. Surtout, ça a duré longtemps, donc il y a beaucoup de films, il y a des choses et un film comme. Les groupes Medvedkin, ça a été créé par. C'était... À partir de. Petit rappel. Il y avait À bientôt, j'espère, de Chris Marker et Mario Marais. Qui avait fait un film sur une occupation d'usine à la Rodiaceta 67. Et quand ils vont présenter le film aux ouvriers, s'engage une discussion où les ouvriers disent qu'ils ne se sentent pas représentés par le film, même si c'est un film plutôt bien, etc., que Chris Marker, grosso modo, fait à peu près la même chose que ferait la télévision ou que ferait un autre type de cinéma. Et à partir de là, se crée un groupe de travail où les cinéastes ou des techniciens viennent donner des cours, leur donnent du matériel, de la pellicule, et voilà où les groupes d'ouvriers fabriquent leurs films. D'accord. Donc on va voir une partie du film qui est un extrait de Mais c'est comme ça. J'ai du mal à toucher les mains de soie, ça me fait mal aux mains. La lamine, quand on la change, je ne peux pas lui décrocher ses boutons. J'ai pas envie de pleurer dans ces boutons-là. Ils ont bouffé les mains. J'ai envie de faire un tas de choses, et puis je me prends maintenant avec un marteau, je sais pas m'en servir. C'est tout ça, tu comprends. T'as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Ça aussi, c'est la chaîne. C'est dur de... Quand t'as pas parlé pendant 9 heures, t'as tellement de choses à dire. Que t'arrives plus à les dire, que les mots, ils arrivent tous ensemble dans la bouche. Et puis, tu bégayes, tu t'énerves, tout t'énerve, tout. Et ceux qui t'énervent encore plus, c'est ceux qui parlent de la chaîne. Puis qui ne comprendront jamais que tout ce qu'on peut en dire, que toutes les améliorations qu'on peut lui apporter, c'est une chose, mais que le travail y reste. C'est dur la chaîne. Bon, maintenant, je ne peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. La peur qui mutile encore davantage. La peur que je ne puisse plus parler un jour, que je devienne muse. C'est de la survie qu'on fait. De toute façon, la famille de Villanoë, c'est de 59 ans. Mon père travaillait en usine jusqu'à 56 ans, quand il fut mis en pré-retraite sans qu'on lui demande son avis, la même année que ma mère à l'âge de 55 ans. Tous deux rejetés par le système qui les avait exploités sans vergogne. Lui, désemparé de se trouver désœuvré. Elle, assez heureuse de quitter un lieu de travail où les tâches étaient harassantes à un point que ne peuvent imaginer ceux qui n'infirent jamais l'expérience. Et où le bruit, la chaleur, la répétition quotidienne des gestes mécaniques rongent à petit feu les organismes les plus résistants. Le rythme de travail était à peine imaginable dans cette usine, comme dans toute usine. C'était déjà extravagant, quasi inhumain. Mais comme une bonne partie de leur salaire se composait de primes liées au total quotidien, ma mère et ses collègues parvenaient à doubler ce qui était requis. Le soir, elle rentrait chez elle fourbue, lessivée, comme elle disait, mais contente d'avoir gagné dans sa journée ce qui nous permettrait de vivre décemment. Quand je vois aujourd'hui ma mère, le corps perclus de douleurs liées à la dureté des tâches qu'elle avait dû accomplir pendant près de 15 ans, debout, devant une chaîne de montage avec le droit de se faire remplacer 10 minutes le matin et 10 minutes l'après-midi pour aller aux toilettes, je suis frappée par ce que signifie concrètement, physiquement,
l'inégalité sociale. Et même ce mot, inégalité, m'apparaît comme un euphémisme qui déréalise ce dont il s'agit. La violence nue de l'exploitation. Un corps d'ouvrière, quand il vieillit, montre à tous les regards ce qu'est la vérité de l'existence des classes. Comment est-ce que vous pouvez me décrire le travail que vous faisiez à la MUCA? Je dis, c'est des pommes de terre, des légumes. Et puis on les triait. Ça arrivait, vous savez, sur des tapis. Tapis rouleurs. Mais je faisais aussi bien apporter des sacs. Vous portiez des sacs? Oui. Vous-même? Oui. Quel est le poids de ces sacs? C'était des 25 kilos. La première fois que vous vous demandez de porter un sac de 25 kilos, par exemple, qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous voulez? C'était ça, c'est que j'avais cherché du travail partout, puis j'avais du mal à en trouver. Alors, je faisais ce que je pouvais. Hein. Je le faisais. À quel âge avez-vous commencé à travailler? Oh, j'étais jeune. Hein. À ce moment-là, on travaillait 13 ans. Hein. 13 ans, on commençait à travailler. Et depuis, vous n'avez pas arrêté de travailler ou vous avez eu des périodes sans? Non, je travaillais, j'ai fait des ménages, j'ai arrêté, j'ai gardé mes petits-enfants aussi. À un bon moment, j'ai gardé mes petits-enfants. Est-ce que ça vous arrive de prendre des vacances? Jamais. Est-ce que vous croyez que ça peut s'améliorer un jour pour arriver à ce que vous souhaitez? Peut-être, on ne sait pas. Hein. Peut-être un jour que les jeunes seront peut-être moins bêtes que nous, ou je sais pas. Alors pour moi, l'avenir, c'est d'abord plus de chômage. Alors là... Là, tout à l'heure, quand on parlait de scénario, ça, par exemple, Madame Ulka, là, c'est quasiment tout le film, hein, il y a juste une petite introduction. Ça, c'est une chose que j'aurais... C'est impossible de savoir que ça existe. C'est juste en regardant, là, les banques de données de Cinéarchive, donc les fonds du PCF et de la CGT, où j'éclusais tout, quoi. Et à un moment, je vois ce petit film de 5 minutes, alors hyper dégueulasse. C'est un des films sur lequel j'ai passé le plus de temps à restaurer pour le rendre un peu moins pire que ce qui est... C'est une des premières vidéos, là, double avec le... Donc c'est la qualité est affreuse, mais... Ça m'a tellement bouleversé, quoi, cette femme. Et c'est la chose qu'on peut pas prévoir. C'est-à-dire, pourquoi d'un coup il y a un film de fiction, pourquoi il y a un film Medvedkin qui est juste magnifique, la séquence des mains, etc. Mais que dans une image aussi pauvre que celle de Madame Ulka, en fait, en tout cas pour moi, il y a une émotion, une vérité, il y a un truc. Et ça, on peut pas prévoir. On peut jamais prévoir sur ce qu'on va trouver, comment ça va réagir. Et que même une image aussi dégueulasse, aussi rien, c'est-à-dire il n'y a pas de cinéma, c'est une interview qui est juste enregistrée. Moi, ça c'est un des plus beaux extraits personnellement du film, où c'est mon extrait préféré. C'est-à-dire toute la première partie est construite pour qu'on arrive à elle, à cette dame-là. Ça honore la télé. Ça, c'est pas de la télé. Hein. Non, ça, c'est du film militant PCF. Le montage avec la séquence justement Medvedkin aussi, qui est quasiment cinématographique. Enfin, ces machines, ces couleurs, cette force, cette puissance, on se croirait dans un film d'Eisenstein. Enfin, il y a un côté comme ça très très. Et effectivement, enfin, le montage que vous faites derrière, enfin, c'est ce dialogue entre ces deux séquences, parce que c'est vrai qu'il y aurait que la séquence de cette femme. Ça n'aurait, enfin voilà, le montage et le texte d'Anna Lenel, enfin vraiment c'est un très très beau moment, c'est voilà, mais ça c'est votre travail. Oui. Et puis dans ce qui est fabuleux, c'est que c'est le corps, quoi, c'est le corps qui parle, ben, ce corps qui est c'est abîmé, ce corps estropié, ouais. Oui, mais c'est du on est dans du texte. Nous, on se représente. Mais ça amène complètement. Complètement. Il y a vraiment comme ça une espèce de petit miracle. Ouais. C'est vrai que ça, c'est ce que disait Didier quand il voyait le film. Hein. C'est l'endroit de différence entre la possibilité de l'écriture ou de l'image, c'est les corps.
Il décrit ce que ça fait sur le corps de sa mère, mais soit on a quelqu'un dans sa famille ou quelqu'un qu'on connaît qui a vécu un corps, qui a un corps usé par le travail, donc on arrive à se projeter. Si on ne connaît pas, ça reste un peu abstrait. Quand on voit là un corps, oui, on voit comment elle va mal vieillir, cette dame. C'est là, on voit ce que c'est l'usure du travail. Et puis même l'importance de chiffres, quand elle dit 25 kilos, nous on représente 25 kilos, on voit ce petit bout de femme. 13 ans, on se met à compter les années. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui est implacable, qu'on se dit, mais là, voilà. Quoi. C'est terrible. Des questions ou des réactions Le film, si on avance dans le film, si on arrive à ta dernière partie, qui est pour le coup. Qui n'est pas raccord avec le bouquin. Non. Voilà. Donc on arrive l'épilogue, comme c'est pas troisième partie, c'est épilogue, je crois, où tu nous parles des luttes actuelles, des gilets jaunes, des luttes pour le climat. Il y a une sorte de. Alors il y a quelque chose qui est plein d'énergie, qui est assez bouillonnant, en même temps qui s'est mêlé à la répression d'État, les violences policières. Donc c'est assommant au sens propre et figuré. Je sais qu'en finissant les projections, j'avais des spectateurs qui étaient un peu en disant... moi, je trouve que le film tirait plutôt vers le haut, vers une envie de révolte. Mais je pense que ça a été en disant, pour ce résultat-là, où il y avait... Toutes ces choses mêlées aussi. Donc, comment tu l'as construit? Pour toi, c'était évident de le faire arriver jusqu'à nous, ce mouvement? Oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le livre, quand même, a 20 ans. Qu'il y a des choses qu'il fallait un peu, pas réactualiser, mais fallait ramener à aujourd'hui, à notre aujourd'hui, à nous, et pas... tu vas me dire... 2009, donc 10 ans quand j'ai commencé le film, 11 ans, et les gilets jaunes. C'est-à-dire, dans une histoire populaire comme celle décrite par Didier, faire l'ellipse sur les gilets jaunes, c'est-à-dire, si je voulais parler du contemporain, fallait aller sur les gilets jaunes. Ça, c'était une évidence politique, de surtout quand je choisis un truc qui finit par le fait que ça va passer par les luttes, que d'un coup, on peut rattraper. Des gens qui auraient commencé à voter Front National, que là, peut-être, il y a quelque chose qui peut se jouer. Et j'avais un souci qui fait que je n'ai pas la fin naturelle du livre, puisque Didier Ribon n'existe pas comme personnage, alors que le livre finit par lui. Donc j'avais pas de fin logique à l'histoire. Et qu'il y a effectivement, peut-être se rajoute à un moment, le fait de prendre ma voix. À moi, qui est du coup celle des images, la voix off s'arrête, et c'est un travail de montage qui prend la relève, et de ne pas finir, après ça c'est une obligation que je me donne, je ne finis pas un film sur l'échec. C'est impossible de finir un film qui s'arrêterait juste après les années 80, où d'un coup une partie de la classe ouvrière commence à voter Front National, et on s'arrête là. Il suffit d'ouvrir le journal tous les jours pour que ça soit assez déprimant. On n'est pas au cinéma pour se dire qu'elle a gagné Marine Le Pen ou son père avant elle. Enfin, il faut contrebalancer ça, c'est-à-dire voir ce qui fait encore résistance à ça. Donc il fallait une fin qui pour moi est positive. Et oui, j'étais surpris de voir que pour des spectateurs ça n'était pas, alors que pour moi ça me met à chaque fois ça me lave un peu de la fin de la deuxième partie. Et donc oui, il fallait une sortie qui appelle à de l'énergie, un retour possible, enfin quelque chose qui contrebalance ce qui est un peu désespérant. Si on suit le parcours de sa mère, c'est un peu désespérant. Donc il faut. Est-ce que récemment j'étais dans des j'écoutais ce que disait Alain Damasio, tu suis un peu ce que pas du tout, non? C'est un paquet, non. C'est quelqu'un qui écrit de la science-fiction et qui propose justement des sortes d'anards de gauche, qui propose des îlots de résistance et qui là est assez actif et est dans une démarche un peu jumelle, quoi, de celle que tu fais dans les propositions. Mais là, c'est très concret. Il construit des sortes d'îlots avec des contre. Il propose de concurrencer le capitalisme sur le terrain du désir. Ce qui est quand même assez, je trouve, intelligent et pas une mince affaire, surtout, quoi. Donc voilà, bon, parenthèse fermée. Je sais pas comment. La projection qu'on avait eue cet été, là, du film,
Je ne me rappelle plus comment elle s'était finie, mais dans l'ensemble, les gens étaient, je sais pas, remontés ou plombés, ou comment vous l'avez vécu ? Nous, on était, toutes les deux avec ma fille, on était toutes les deux bouleversées. C'est vrai que ça donne beaucoup d'espoir, et les jeunes de 14 ans, 15 ans qui, justement, ont quand même envie de faire bouger les choses. C'était une des séquences qui lui a... Enfin, en fait, on était en pleurs et en même temps, ça dynamise. On se dit que c'est possible encore d'aller dans la rue. Et c'était hyper fort la fin. Donc, nous, ça nous a donné la pêche tout en nous rendant tristes parce qu'il y a une montagne. La montagne est énorme. C'était un mélange des deux. Mais en même temps, c'est hyper fort la fin. Et pour le reste du public, je ne pense pas qu'ils aient été autant retournés que nous. Mais par contre, oui, il y avait des gens, les gens qui étaient là, tout le monde était impressionné par les gens avec qui on en a parlé, par votre travail d'archivage, cette construction, comme vous disiez, où tout coule et tout suit. C'est hyper fluide, c'est hyper beau, et ce mélange des fictions et du documentaire, on était bluffés, c'était vraiment magnifique, quoi. Et contente que, de découvrir ce texte, de faire découvrir ce texte à des gens qui ne le connaissent pas par ce biais, c'était génial. Et en même temps, quand vous dites que c'est un tout petit pourcentage, moi je l'ai lu il y a un moment et ça me donne envie de le relire, parce que là j'ai oublié toute une partie. Alors moi j'avais une question, parce que vous dites... que ça vous touche beaucoup. Moi, ça me touche beaucoup aussi par mon histoire personnelle. C'est pour ça que j'ai lu le bouquin il y a 10 ans. Et je me demande toujours, finalement, les gens qui ne se posent pas cette question de la classe sociale, des classes sociales difficiles, de cette lutte des classes, etc. Est-ce qu'ils lisent ce texte ? Est-ce qu'ils sont bouleversés comme nous ? Est-ce que ça les touche quand même ? Ou finalement, ça leur passe à côté ? Et finalement, est-ce qu'on touche toujours le même public quand on fait votre travail ? C'est une question difficile parce que j'ai tendance à être un peu méchant avec le public. Avec une partie du public. Non, moi, c'est un film que j'ai fait très clairement. Je me préoccupe jamais du public en général. Là, je faisais un film très adressé aux gens de ma famille et ça s'arrête là. C'est-à-dire que eux, faut qu'ils se reconnaissent à l'intérieur du film. Le reste, après, les retours éventuels. Mais ce qui est toujours surprenant, et même déjà à partir du roman, mais à partir du film de la même chose, on pourrait le dire d'autres films, ça veut dire que les gens qui lisent, les gens qui vont au cinéma, en général, ils ont tous un petit cœur. Quelle que soit leur classe sociale, d'origine, ils ont un petit cœur. Et quand on est d'une classe moyenne supérieure ou bourgeoise, on a aussi un petit cœur. On aime bien le pauvre, quoi. Le pauvre est quand même assez joli, surtout en noir et blanc, au passé. Ah, c'est quand même dur, toutes ces vies, etc. Après, on met un gilet jaune et c'est 3 heures de discussion politique. Ah oui, mais quand même, les gilets jaunes, ils font des fautes d'orthographe et puis ils votaient ils étaient un peu fachos, certains, etc. Et là, on se dit, oui, mais alors quand ils sont noirs et blancs et qu'ils sont morts, il n'y a pas de souci. Là, la contradiction, le mort, il peut avoir de la contradiction. Il peut croire dans la révolution alors qu'il y a Staline au pouvoir, ça, on ne le note plus. Mais quand le pauvre est vivant et qu'il a un truc en plus super moche, là, il passe moins bien. Il est moins cinématographique, quoi. Il est moins. Il y a un endroit, je vois dans le public quels sont les endroits de désaccord de lecture du film par rapport à la provenance des gens, très clairement. Mais ce que j'ai senti sur d'autres de mes films, hein, c'est pas nouveau, je le par vois. Par exemple, nos défaites, c'était le public était moi des gens qui trouvent ça. Donc c'est un film que j'ai fait avec des gamins à Ivry. Le problème que j'ai eu avec eux, c'est que il n'y a pas eu de transmission chez eux. Personne leur a transmis les mots le vocabulaire de la politique. Très, les mains très... de ZEP, hein, c'était des lycées de centre-ville. Ah, centre-ville, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Et en fait, il y a quand même des gens dans le spectateur qui ne voyaient pas le sujet ou le problème du film parce que, ils sont tellement vivants. Ben oui, mais toi, tu les connais, ces mots de la politique, ça te permet de lire, ça te permet d'être citoyen, ça te permet de voter, voire d'être dans un parti, etc. Si tu ne sais pas ce qu'est... Non, mais nos défaites, c'est-à-dire que tu leur demandais qu'est-ce qu'était le marxisme et que les gamins étaient incapables de... Non, mais il y avait syndicat aussi. Ah oui, le mot syndicat, ils étaient incapables de répondre, ou c'était quelque chose d'assez brumeux pour eux, ou on pouvait faire le constat en disant, mais cette jeunesse-là, c'est désespérant, quoi, ils ne connaissent rien à rien. Mais moi, je n'étais pas désespéré parce qu'ils avaient des luttes, ils avaient des envies, c'est une question de vocabulaire, du fait
qu'on voit que personne ne leur transmet rien. Ça, c'était le souci pour moi du film. Et quand des spectateurs me disaient « Ah, mais ils sont tellement mignons. » Et puis, c'est pas grave, ils se débrouilleront toujours. C'est comme quand les gens ont d'argent et qui disent, de beaucoup d'argent, ils disent que l'argent n'est pas important. C'est le même type de chose. C'est-à-dire que quand on vient de ce type de famille, quand moi, je vois mes cousins qui n'ont pas fait d'école, etc., qu'on ne me dise pas qu'on va s'en sortir, c'est pas vrai, en fait. On finit à l'usine, on finit femme de ménage. C'est quoi de dire qu'ils sont mignons, ils savent pas parler, donc c'est mignon. Non, c'est pas mignon. C'est un problème d'éducation nationale, de transmission des parents, un problème de société. C'est pas mignon, quoi. 16, 17 ans. Première. Oui, il en parle déjà. Et du carcan, on a beau être issu d'un milieu social, je sais pas, populaire, on peut aller effectivement même jusqu'au lycée, mais de toute façon, il y a un moment où ça bloque. C'est horrible, c'est déchirant ce moment où ça bloque. Oui. Moi, je voulais juste revenir sur la fin du film. Vous avez fini le film quand ? À quel moment l'avez-vous fini ? Avant j'ai fait le montage du film sur le premier confinement, je l'ai fini juste après. Oui, c'est ça. Et moi, je l'ai vu, mais bien plus tard. Oui, parce qu'il y a le Covid, tout avec les fermetures des salles. Et tout c'était ça. Très intéressant d'ailleurs, parce que beaucoup de choses se sont passées ou rien ne s'est passé, je ne sais pas, pendant 2 ans. Et notamment, c'est pour ça aussi que peut-être, enfin moi, cette fin, on en discutait tout à l'heure, il y a à la fois de l'espoir et il y a aussi déjà du chagrin. Parce que moi je l'ai vu, alors je ne sais plus quand il est sorti, mais c'était vraiment très proche des élections. C'était au printemps, oui, c'est ça. Oui, mais vous rendez compte, fin mars ou avril, l'espèce c'est hallucinant que ce film soit sorti juste avant les élections, quand même, où il pouvait y avoir justement un espoir. Enfin, ça dépend de quel côté on se place. Et donc, le film, il avait vraiment une résonance et une lecture particulière, en tout cas pour moi, à ce moment-là. Et aussi parce que c'est vrai que c'était déjà, mais c'est un film, hein, ça reste un film. Et ben, il était déjà, voilà, il avait 1 an et demi en fait déjà, voilà. Et donc, il n'était pas fini évidemment, mais la fin n'était pas écrite et elle ne le sera jamais. Mais en tout cas, il y avait tout ce contexte-là qui n'était pas encore dans le film et qui ne pouvait pas l'être d'ailleurs. Mais on l'a vu à un moment très particulier dans les salles quand même, hein, à la veille des élections. Oui, c'est ce qui n'était pas fait du tout pour être à ce moment-là. Mais c'est vrai que, par exemple, le problème du Front et du Rassemblement National, on le voit plus au moment des élections, mais c'est un problème tout le temps. Mais par exemple, sur les images, je ne sais pas comment vraiment le définir, mais sur les images de lutte, par exemple, en tout cas, moi, l'effet que ça me fait quand je vois même des films contemporains, il y a toujours un décalage sur les films, le temps qu'ils arrivent. Et je pense qu'on a un petit fond, il y a un fond romantique de la lutte. En tout cas, moi, toutes les grandes révolutions, tout, ça m'émeut, mais c'est quand je dis romantique, c'est-à-dire que c'est toujours un peu au passé, même quand c'est des luttes contemporaines. On les voit pas au présent. Moi, je les vois rarement au présent, ces images-là. Et qu'il y a toujours, en tout cas pour moi, cet aspect romantique, ça s'inscrit dans une manière de représenter qui est toujours la même depuis un siècle. Qui te plaît, qui te lasse, qui non, te, non, non, c'est comme le drapeau rouge à l'international, oui. Ça d'accord. Marche toujours. En tout oui, cas, oui, pour d'accord. Moi, ça marche okay. Toujours. Pour toi, c'est un moteur. C'est mais du coup, dès que je mets des manifs comme ça qui s'enchaînent, pour moi, ça me crée un endroit de... ça me fait plaisir parce que là, c'est des images plutôt contemporaines, mais il y a quand même toujours de la nostalgie. Qui s'inscrit. Oui, c'est cette nostalgie qui renvoie au passé, en fait, qui fait qu'on a l'impression que c'est toujours trop tard, que c'est toujours comme si on avait envie de le vivre sans les images, en fait. Les images, elles sont toujours trop tard, les images de lune, d'une certaine manière. Mais est-ce que ce que vous disiez, moi je rebondis sur ce que vous disiez, c'est par rapport à l'importance de la lecture sociologique des choses, mais il y a une vraie violence, il y a une vraie violence de la sociologie quand elle attaque, quand elle décortique. Exactement ce que tu disais, les réflexes bourgeois par rapport aux pauvres. Qui est toujours plus séduisant en noir et blanc que de manière actuelle. Désolé.
Et je vous conseille, pour ceux qui ne l'ont pas lu, de lire, on en a, hein, mais le livre de Didier Héribon, qui montre même des anecdotes. Quand il est dans sa classe, il tombe amoureux de son jeune collègue qui sait reconnaître une musique classique, qui sait reconnaître Moussorgski, qui sait parler. Il se rend compte de la classe d'où il vient et de toute la différence, tout le fossé, l'océan qui le sépare voilà, mais très, très tôt, très jeune. Et comme Bourdieu, moi, j'avais relu et j'avais enchaîné avec Esquisse d'une auto-analyse de Bourdieu, où lui, il vient du Béarn, il monte à Paris, il est à Normale Sup, je crois, et il se rend compte de l'écart. Qu'est-ce que c'est d'avoir un accent du sud-ouest quand on est face à des Parisiens, toutes ces choses-là. Après, lui, il l'a théorisé, il l'a analysé. Et je trouve que c'est essentiel, pour soi, pas pour se faire mal, mais en tant que prise de conscience collective. Quand ça aboutit sur de la lutte, de la prise de conscience, des revendications, de l'éducation, de toutes ces choses-là. Et je trouve que ce film est indispensable, quoi, pour un jeune public. Quoi. Mais il a été montré dans les collèges, lycées, tu l'as accompagné un peu ou beaucoup ? Il y a toujours un temps de retard sur les scolaires. Ouais, ouais. C'est-à-dire que quand le film il est daté, c'est pas forcément la semaine où le prof qui général s'en occupe, donc c'est plus facile à posteriori de caler des choses. Mais là, quand j'étais sur un autre film, d'accord, okay. De suite. Okay. Il rentrera au lycée aussi. Je pense. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il est. Non, mais il y a beaucoup de choses, quoi. Moi, je sais pas comment. Oui, j'imagine. Pour moi, ça ferait totalement sens, mais après, je sais pas. D'accord, ok. On va s'arrêter là. Alors moi, je t'ai fait choisir Jean-Gabriel quelques films qui sont dans la boutique, donc on les met sur la table. Donc il y avait Grand Soir et Beau Lendemain. Ça, c'est les archives, un peu des extraits d'archives du qu'on trouve Colonel Fabien, du Parti communiste. Donc ça, c'est voilà. Il y avait Le Joli Mai de Chris Marker et Pierre Lhomme, inévitable. Le Joli Mai que je couple avec Chronique d'un été. De Jean Rouch, Edgar Morin, Êtes-vous heureux, ça c'est des films indispensables, qui sont sublimes au niveau formel, et puis les portraits, magnifique. Ça, ce dont tu nous parlais. Et puis il y a La Crise aussi de Colin Serrault, il y a un petit extrait dans le film qui est voilà. Et Retour à Reims, le DVD que tu voudras bien dédicacer. Merci beaucoup Jean-Gabriel d'être venu. Merci à vous.